They was a genie named Dinesh. And Dinesh was the most playful of all the genies. Bonjour, je m'appelle Frédéric Calmes. Au Maroc, on m'appelle Youssef et je suis conteur. Ici, au pavillon du Maroc, eh bien, je raconte une histoire aux enfants. À côté, là, dans ce cercle qu'on appelle au Maroc la halqa, l'espace où traditionnellement les conteurs viennent raconter leurs histoires sur les places publiques, ce sont les gens qui se rassemblent et qui font un cercle. Et dans ce cercle, je raconte l'histoire de Leïla et de Ali et du coffre magique. Et alors toute cette histoire, elle est là pour permettre aux enfants de découvrir l'artisanat marocain. Ici sont présents avec nous deux artisans. Pendant 10 jours, chaque mois, pendant les 6 mois, il y aura 2 artisans qui vont être présents. Et pour permettre aux enfants de découvrir leur savoir-faire, leur artisanat, eh bien je raconte l'histoire de Leïla et Ali. Les artisans marocains, les hommes et les femmes qui travaillent dans l'artisanat marocain sont connus à travers le monde entier pour la qualité de leur travail, la variété de leur travail, pour tous les chefs-d'œuvre en fait qu'ils fabriquent depuis des siècles et des siècles et qu'ils continuent encore aujourd'hui de fabriquer en se transmettant tous ces savoir-faire extraordinaires. Et nous avons souhaité ici au pavillon du Maroc justement faire goûter un peu au public leur savoir-faire formidable et notamment aux plus jeunes, aux enfants, à travers l'histoire que nous racontons. He says, Dinesh, give me the forest back. L'idée de cette histoire, c'est de permettre aux enfants, à travers la quête de Leïla et Ali, de découvrir l'artisanat. Leïla et Ali doivent construire un coffre magique grâce aux artisans qu'ils rencontrent sur leur chemin pour enfermer Dinesh, le génie qui fait bien le bazar. À Marrakech, sur la plage Jemaa el Fna, la tradition de la halqa, tout ce qui se passe sur cette place, a été inscrit à la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Their father tells them, Leïla and Ali walk across the great reef mountain.